voici Place de la Nation. C'est en face de là où il y avait mon lycée. Et en fait, je suis ici parce que c'est là où finissait une partie des manifestations auxquelles j'ai participé. Donc, la première fois que j'ai participé à des manifestations contre des réformes, et puis pour tout vous dire, je ne savais pas vraiment pourquoi je manifestais, mais c'était, on terminait ici, ça partait de Place de la République. Et j'ai voulu vous inviter ici pour vous parler de votre vision et d'une potentielle vision collective. Alors pendant longtemps, j'avais du mal à cerner ce concept, et même quand je l'avais comprise intellectuellement, je n'étais pas forcément convaincu émotionnellement. En gros, quand vous lancez votre business, bah concrètement, soyons honnêtes, pourquoi vous le lancez? Pour avoir une vie plus épanouie, pour… Ah, il commence à pleuvoir. Pour être plus libre, pour vivre de votre passion. Au départ, c'est pour des raisons purement égoïste et superficiel. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Hein, parce que, je veux dire, il faut bien un point de départ. Et un peu comme, je ne sais pas, quand on se met en couple, on se marie, forcément, c'est que pour des raisons égoïstes au départ. On ne se marie pas pour l'autre. On est d'accord. Et du coup, mon business a évolué. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Concrètement, dans mon business, j'essaye de faire en sorte que les gens dans mon équipe ne sont pas juste des exécutants. Le premier niveau de délégation est le suivant. Hein. Vous avez des tâches, vous prenez les tâches que vous n'avez pas et vous les déléguez. Mais quand vous commencez à développer un peu plus votre business et à recruter des personnes plus avancées, et ben ces personnes-là, si vous êtes un bon leader, un bon manager, et ben vous les invitez à participer à votre vision. Au point où, par exemple, aujourd'hui, et ça me fait bizarre de le dire, hein, certaines décisions qu'on prend au niveau de l'entreprise, je ne suis pas forcément totalement aligné d'un point de vue personnel. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est bizarre et ce n'est pas inspirant de développer un business comme ça. Bah, ça l'est. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas totalement aligné, c'est moi qui décide consciemment que ce n'est pas totalement aligné et que c'est OK. Parce que je pourrais aussi décider que ce ne soit pas OK. Alors, pourquoi c'est important que je vous partage ça? Pour vous aider à comprendre que votre propre vision, et eh bien si vous naissez sur une île déserte et que vous vivez toute votre vie seul, votre vision, elle ne va pas être nourrie. Quand bien même vous cherchez une vision personnelle, égoïste, pour prendre soin de vous, votre famille, vos proches, vous avez besoin de la contribution des autres. Quand tout à l'heure, je vous disais que parfois, on prenait des décisions avec lesquelles je n'étais pas totalement aligné, elles ne sont pas alignées d'un point de vue tactique, même peut-être stratégique, mais elles sont alignées parce que ça concourt à ma vision globale à moyen et long terme. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on est seul, on est un peu myope. On voit ce qu'il y a de près et on ne voit pas ce qu'il y a de loin. Donc concrètement, là où j'aimerais vous amener et pourquoi je vous fais ce parallèle, c'est que le fait de participer à ces manifestations avec d'autres jeunes, des camarades de classe, même si je ne comprenais pas totalement, eh ben, ça nourrit un peu mes convictions politiques, mes réflexions, mon avis sur certaines choses sociales. Par exemple, ma tendance écologique, j'ai du mal encore à me définir comme un écologiste parce que je ne m'estime pas encore loin d'être à la hauteur. Mais ça, ça a été possible parce que je fréquentais certaines personnes. Donc déjà, j'espère que vous voyez l'intérêt d'avoir une vision à long terme parce que c'est ça qui va vous faire tenir, c'est ça qui va donner du sens à tout ce que vous faites. Et cette vision que vous avez pour votre vie, tôt ou tard, elle a besoin d'être nourrie par des idées, des suggestions, des influences externes. Ne restez pas seul. Seul, votre vision va être limitée. Combien de fois, en traînant avec des gens plus avancés, j'ai pu élever mes standards et me dire « Mais en fait, bien sûr que je peux faire ça. »
Ben bien sûr que je peux faire ça. Mais pourquoi je me tirais des balles dans le pied? Pourquoi je plafonnais mon niveau d'ambition? Pourquoi je pensais que je pouvais pas développer mon business parce que ça allait sacrifier ma vie personnelle? Aujourd'hui, j'ai parmi des proches à moi des gens qui ont une vie hyper, je sais pas si c'est le mot hyper adapté, très équilibrée et qui gagnent 10 fois, 15 fois, 20 fois plus que moi. Sans travailler beaucoup plus. Et ça m'inspire. Donc tout ça pour vous inviter à côtoyer des gens, à passer du temps avec les gens. Et même si vous traînez avec des gens avec qui vous n'êtes pas totalement d'accord, à partir du moment où ils veulent votre bien et ils comprennent ce que vous faites, hein, d'accord? Parce que si quelqu'un juste vous balance sévérité, comprend pas ce que vous faites, vous décourage juste parce qu'il veut vous décourager, parce que c'est une projection de ses propres peurs, là, c'est pas intéressant. Et donc, je peux que vous inviter à passer du temps avec les gens. Et vous le savez, moi, je vous encourage à participer à des masterminds. Le mastermind, c'est un concept où, avec plusieurs personnes, vous arrivez à un niveau de réflexion beaucoup plus riche et avancé que en réfléchissant seul. De toute façon, c'est assez logique, ce serait difficile de débattre ça. Vous comprenez bien que si on rassemble 3, 5, 10 personnes, on est plus fort, plus intelligent qu'en étant seul. Et bien ça, vous pouvez le vivre en rejoignant un mastermind. Donc vous le savez, nous on vous propose un mastermind et il y a un lien en description. Cliquez dessus, regardez, ça ne vous engage absolument à rien, il y a une vidéo de présentation. Et vous allez voir ce que nous on propose. Et si ce n'est pas avec nous, faites-le avec d'autres. Parce que avec cette vision, cette intelligence, ces réflexions, cet encouragement que vous allez avoir, vos actions vont être plus intelligentes, moins frustrantes. Vous ferez moins d'erreurs, vous serez plus ambitieux. Et c'est là que vos résultats vont être plus grands, sans les contraintes qui vont avec. Parce que le but, ce n'est pas juste de discuter, d'échanger et de s'amuser, ça, on n'a pas besoin de lancer un business. Nos amis, notre famille suffisent. L'idée ici, c'est comment on peut atteindre des plus grandes ambitions sans sacrifier notre bien-être, tout en s'épanouissant. Et c'est sur ce sujet qu'un mastermind peut vous aider. Moi, je ne dirais pas que j'étais dans un mastermind quand j'étais au lycée, j'avais quand même mon groupe d'amis, mais je peux vous dire que les échanges qu'on a eus, les discussions qu'on a eues, les débats qu'on a eus m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, qui vous êtes professionnellement, entrepreneurialement, va dépendre des échanges et des personnes avec qui vous passez du temps. Aujourd'hui, vous êtes peut-être encore un bébé et un enfant entrepreneur. Okay? Moi, à la limite, je me considère comme un adolescent quand même, après 12 années d'entrepreneuriat. Mais si vous êtes un bébé et un enfant entrepreneur, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Vous avez besoin de vous nourrir. Et pour ça, oui, il y a des livres, oui, il y a des formations, mais surtout, il y a d'autres êtres humains. Je vous dis à demain, les amis.